Bien, bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 16 des planètes du ciel. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à plusieurs objectifs, notamment avec le fer. Mais pour commencer, on va essayer d'obtenir une patate et une carotte. Et pour cela, il va falloir tuer des mobs à la main. Alors on va voir à partir de quelle hauteur. On va essayer en fait de. Donc comme je l'ai dit, d'obtenir une patate et une carotte. Mais pour ça, il faut que je détermine la couche à laquelle les mobs. Alors, si je mets ça comme ça, est-ce que les mobs meurent ou pas là? Ouais, encore. Bon après, ça dépend d'où ils tombent aussi, hein, donc. Mais le but, c'est de les tuer à la main. Parce que le seul moyen d'avoir des patates et des carottes, c'est de tuer les zombies à la main. Ah bah voilà, celui. Ouais, mais par contre, s'il se barre, forcément. Bon alors du coup. Putain. Oh. Ça par contre, ça le fait pas. Évidemment, s'il se sauve, ça va pas le faire. Bon, alors. Ça va pas être très pratique. Du coup. On essaye de faire un truc comme ça. Parce que s'il se sauve, je vais jamais y arriver. Enfin, quand je dis tuer à la main, hein, c'est tuer. On peut tuer avec une épée, hein. Mais le tout, c'est qu'il ne soit pas tué automatiquement par une chute ou un autre piège. Ouh, toi par contre je suis pas d'accord. Alors, heureusement que les demi-dalles, enfin que les dalles sont très résistantes aux explosions. Ouais, bon, je sens que ça va mal finir cette histoire. Oh. Bon alors attendez, on va déjà régénérer un peu. Oh le connard. Bon. Bon écoutez, je verrai ça plus tard. Je pense que je le ferai. Hors vidéo. Parce que là, c'est pas possible. Hein. J'essaierai de trouver une solution pour pouvoir les tuer à la main. Parce que là, bon. Alors, et du coup ma barrière elle a pété évidemment. Bon c'est pas grave, je réparerai plus tard. Là on va passer à ce que je voulais. À ce que je voulais faire d'autre. Ouais non là c'est pas possible. Ouais c'est à cause des creepers surtout, ça va être vraiment gênant. Faudrait que j'arrive à isoler les zombies d'une manière ou d'une autre, mais pour l'instant, je vois pas trop comment. Ouais, au pire, je ferai une plateforme ailleurs pour pouvoir tuer des mobs. Ouais, faudrait peut-être que j'essaye. Enfin, on verra. Bon, alors, on va passer aux autres objectifs que je voulais accomplir aujourd'hui. Alors, déjà, peut-être refaire un peu de neige. Voilà. Alors, pour commencer, il y a le. Ouais. Alors l'objectif 18, c'est installer un réfrigérateur, porte-enfer, distributeur et bouton. Donc ça va pas être très compliqué. Alors oui, j'ai fait du fer hein, pas mal, juste avant de commencer cet épisode. Du coup, on va pouvoir faire une porte-enfer. Ouais, donc 3, du coup, je suis obligé. Un distributeur, ça se fait avec un arc. Et de la redstone, est-ce que j'en ai encore de la redstone? Avec ça, je vais pas aller loin. Ah oui, non, c'est bon, ok. Alors, le distributeur. Ah, il faut que je reprenne de la cobble, par contre. Hop. Et il faudra aussi un bouton. On va le faire en.
en bois, hein, le bouton. Alors, le réfrigérateur, bon, on va le mettre, je vais le mettre dans cette maison-là. On va le mettre dans un coin où il n'y a pas grand-chose. Oui, enfin, de toute façon, la maison est assez vide. On va se mettre ici. Alors, pour faire un réfrigérateur, c'est un modèle, bon, un modèle assez classique que je n'ai pas inventé. Ouais. Si on met le bouton là. Et puis là, on va mettre un bloc de neige, par exemple. Hop. Voilà, bon, c'est une sorte de réfrigérateur, hein, c'est pas... Il faudrait que je trouve un moyen de mettre le bouton... Ouais, non, il n'y a pas... On peut pas. Enfin, voilà, hein. Alors, attendez, est-ce que les torches... Ouais, bon, c'est pas grave. Et puis ici, je pourrais mettre de la bouffe dedans, d'ailleurs. Voilà, donc le réfrigérateur, c'est fait, c'était l'objectif 18. Ensuite, faire une porte en piston de 2x2, on verra plus tard. Et même si en soi, je pourrais la faire. Mais après, où la mettre, bon, je vois pas trop. Parce que j'ai assez de fer, hein. Alors, ensuite, objectif 20, fabriquer une boussole. Alors, la boussole, on va le faire tout de suite. J'ai ce qu'il faut. Voilà. La boussole, c'est fait. Et ensuite, l'objectif... non, 21, c'est la montre, il faut de l'or, on peut pas. 22, cartographier votre planète. Et on va le faire. Donc voilà, hein, l'objectif boussole est validé. Donc je peux réutiliser la boussole pour... alors, ouais, on a de la canne à sucre. Bon, on va se faire du papier en masse. Peut-être ranger un peu ce qui ne nous sert plus là. Ça, je risque d'en avoir besoin. Hop, bah déjà 6 stacks de poudre à canon, c'est pas mal. Bon, les flèches, on n'en a pas besoin. C'est pareil, des flèches, j'en ai énormément, mais je m'en sers pas pour l'instant. Puis ça, on va ranger aussi. Voilà, on fait un peu de place. Donc, cartographier la planète. Ouais, cartographier votre planète, hein, c'est ce qu'il disait. Ah oui, votre planète. Du coup, il faudrait mieux que je me mette vers le centre. Ouais, pour crafter la carte. Alors oui, j'avais préparé les champs déjà pour les champs de patates et carottes. Mais bon, pour l'instant, j'en ai pas, donc on verra plus tard. Ouais, j'aurais plutôt intérêt en fait à mettre vers le milieu. On va dire par là, hein, c'est pas non plus au bloc près. Mais c'est pour que la carte soit bien centrée. Donc, voilà, on a une carte. Qu'on va charger ici. Bah très bien, je pense que c'est bon, hein, l'objectif est rempli. De toute façon, ça c'est le plus précis. Ouais, alors les cartes. Alors ça c'est l'échelle la plus. Je sais jamais ce que c'est, petite et grande échelle. Je confonds toujours les deux. Non, après ça c'est a priori c'est la petite échelle. C'est la plus petite échelle, ce qui signifie que c'est la carte la plus zoomée. Après, si j'ajoute du papier autour, je peux la dézoomer. Mais de toute façon, comme on voit déjà tout, ça n'a pas d'intérêt. Donc la carte, c'est bon. L'objectif est rempli. Ensuite, donc cartographier votre planète. Créer un instrument avec 3 blocs musicaux. Alors, c'est l'objectif 23, on va le faire. Hein, on peut. Alors, les notes blocs se font ainsi. Enfin, les blocs musicaux. Donc on va les placer, je sais pas où, hein, mais par exemple, alors non, ici c'est du demi, bah, même si en soi, peut-être le mettre, oula, que je fasse attention de ne pas tomber, si on agrandit un peu là, on va le mettre là. Un instrument de musique, bon a priori c'est que 3 notes blocs, hein, rien de plus. Hop, donc on va le mettre par ici. Voilà.
Donc voilà, c'est bon pour l'instrument de musique. Ensuite, avoir trois CD différents. Bon, donc évidemment, il faudra mettre des CD hein, dedans, mais on peut pas pour l'instant. Alors c'est pareil, les CD, il faudra faire quelque chose pour les obtenir. Un montage avec des squelettes et des creepers, enfin on verra. Bon après c'est le Nether, pour l'instant on peut pas. Alors pour le Nether, un petit rappel. D'ailleurs je vais faire un petit rappel pour le Nether. Peut-être manger jusqu'au bout d'ailleurs. Il me faut. Pour chaque bloc d'obsidienne en fait. Parce que je peux obtenir un seau de lave. Voilà. C'est 16 blocs de TNT pour un seau de lave. Ce qui signifie qu'il me faudra en tout 160 blocs de TNT. Voilà, je vous laisse calculer hein, pour le nombre d'unités de poudre à canon et de blocs de sable. Hein, donc 16 fois. Enfin 160 fois 4. 640 pour les blocs de sable. 640 blocs de sable. Et 800 unités de poudre à canon. Donc le Nether, c'est pas pour tout de suite. Bon, par contre, le seau, hein, je pourrais réutiliser le même à chaque fois, hein, parce que évidemment, je le récupérerai. Donc j'aurais besoin que de faire qu'un seul seau. Donc voilà, c'était pour le Nether. Avoir toutes les sortes de bois, c'est déjà fait. Oui, un couple de bonhommes de neige. Alors oui, il demande un couple. Un seul suffit hein, pour la technique de la neige là. Mais comme ils veulent un couple, on va en faire un. Il suffit de reprendre une citrouille. Hop, la neige, je l'ai déjà sur moi. Bon, la carte, pour l'instant, on n'en a pas trop besoin. Bon, on va le mettre par là, oui. Hop. Juste agrandir un tout petit peu. Va falloir que je refasse des dalles. Hop. Faudra que je change de souris aussi, je pense. Bon voilà, juste agrandir un tout petit peu là. Alors, à chaque fois qu'on agrandit, toujours faire attention à l'éclairage. Ici, on est à 10. C'est bon. Ouais, 10 au minimum. Ouais, donc c'est bon. Sachant qu'il faut que ce soit supérieur ou égal à 8, l'éclairage, sinon des mobs peuvent apparaître. Alors, on va faire tout de suite. Non, peut-être déjà fermé. Ouais, hop. Voilà. On aura notre couple de bonhommes de neige. Enfin, de bons hommes de neige. Hein. Au pluriel, c'est des bons hommes de neige. Voilà, cette petite remarque. Sur la langue française. Donc, voilà, évidemment. Alors, comme pour l'autre, évidemment, il va falloir mettre une protection au-dessus pour pas qu'il brûle. Là. Alors, je crois que c'est non seulement le soleil qui les tue, mais aussi la pluie. Et comme vous le savez, la pluie, ici, c'est assez courant. Je crois que la pluie tue les golems de neige aussi. Donc, il faudra vraiment faire attention. Toujours est-il qu'on en a deux, c'est bon. Donc l'objectif 32 est rempli. Bon après c'est les autres mobs. Bon il faudra faire un cheval pour l'instant, on sait pas. Enfin, pour l'instant on peut pas. Bon. Alors ce que je pourrais éventuellement faire maintenant. Parce que du coup, est-ce que je vais récupérer encore de la chair pourrie? Ouais, un peu. Parce que du coup, on pourrait remplir d'autres objectifs avec le fer. Hein. J'ai encore des choses à faire en fer. Notamment faire. Ouais, il y aura des objectifs avec les outils. Il faudra avoir tous les outils. Tous les outils dans tous les matériaux. Donc en tout, ouais, ça va faire beaucoup. Toutes les armures aussi. Donc je peux vous dire qu'on a encore du pain sur la planche. Hein.
Ça t'avait déjà dit d'ailleurs. Alors je pourrais faire le bloc de fer aussi, est-ce que c'est la priorité? Ouais. Enfin bon, alors attendez, je vais voir si j'ai encore de la chair pourrie là-bas. On pourrait faire le bloc de fer, après tout, pourquoi pas. Enfin, c'est un bloc qu'il faut mettre dans le coffre. Dans le coffre, le futur coffre de l'âne. Par contre, j'ai pas grand-chose. Non, j'ai presque ce qu'il faut, par contre. Ouais, parce qu'il me reste 4 blocs de fer. Enfin, 4 lingots de fer, je veux dire. Ouais, c'est bon. On va aller racheter du fer. La cobble. Ah là 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 là, il faut toujours être concentré par contre là-dessus parce que... Et je vais bientôt plus en avoir déjà. Pourtant j'en ai refait une dizaine de stacks. Enfin avant l'épisode, mais je m'en suis déjà servi aussi pour le faire, donc bon. Ah, ça y est, il n'y avait plus de retenue, plus de chair pourrie là. Il m'en manque 6 en fait. Hein. Ah, j'en ai eu là, ouais, un peu. Il m'en manque 6, et après, ce sera bon. Ah. Allez, plus de 3. On va pouvoir se faire le bloc de fer. Ah. Ah, une sorcière. Elle m'a donné... Non, de la redstone seulement, je crois. Tant pis, c'est pas grave. Transformer tous les os. Bon. C'est toujours à la fin, ouais, qu'on a. Quand il manque plus qu'une ou deux unités d'une certaine ressource, c'est toujours là qu'on attend le plus. C'est limite fait exprès. Alors, on va reproduire les moutons, tant qu'on y est. Alors oui, en ce qui concerne les colorants, on est toujours bloqué, hein. Donc il faudra peut-être que je fasse une expédition bah, pour trouver un autre biome. Et par conséquent, avoir d'autres fleurs, donc d'autres colorants. Hop, on va aller juste les reproduire un peu. Là-bas. J'aurais pu reproduire le blanc aussi, mais non, c'est plus la peine, c'est un nombre impair. Bon, on va voir si on a assez de chair pourrie maintenant. Mais putain, mais pourquoi ça marche plus là? Allez! C'est pas ce que je veux. Ah, j'ai eu un zombie, mais il m'a rien donné, évidemment. Sorcière. On va quand même pas passer 1 heure là-dessus, non? Ça y est, inventaire plein encore, évidemment. Hop. Oh, il y a inventaire plein. On s'en fout, on verra. Je rangerai après, hein. Je vais pas faire ça maintenant. Alors, juste pour regarder, le bloc de fer, il est à quelle place dans le coffre? Juste après le lapis, ok. Allez, il en manque plus qu'une, une rotten flèche, on y croit. Allez, que des squelettes, évidemment. Encore une sorcière, elle m'a donné de la glowstone, très bien. Bon, alors. Non mais ça, je vous le dis, hein, c'est vraiment vraiment à la fin, voilà, on attend le plus. Bon, bah on va faire ça et puis on arrêtera là pour aujourd'hui. Alors, le fer. Voilà, c'est là. Évidemment, il repleut toujours.
Voilà, pile ce qu'il faut, hein. On va le faire cuire. Trois, quatre planches. Bon. Alors, les flèches, le fil. J'en ai foutu partout d'ailleurs, c'est un peu le bordel. Toute la neige, je pense qu'on va la mettre là plutôt. Ah bah il me restait des lingots là. Bon, très bien. La glowstone. Ah, on va peut-être pouvoir la ranger. Voilà, on aura rempli pas mal d'objectifs aujourd'hui, c'est plutôt une bonne chose. La prochaine fois, on essaiera de continuer dans cette lancée. Oh merde! Allez. Bon, on peut le faire tout de suite. Voilà. Et non, ce coffre-là, juste après le bloc de lapis. Du coup, il en manque plus que 8. Voilà, merci d'avoir regardé cet épisode et je vous retrouve plus tard pour l'épisode 17.